Oh mec, Shawen! Hey Shawen! Oh mon gars! Ouais, quoi? Et ça te dit pas de rendre Minecraft plus réaliste parce que là c'est vraiment laid, hein, on dirait toi? Ouais, bon bah laid, je suis désolé, regarde ta gueule! Ah quoi, t'es pas beau! Ouais, bon. T'es pas beau, t'es moche! Bah, t'es pas obligé de le dire comme ça! Il t'arrive quoi? Oh bah, qu'est-ce qu'il fait la spaz? Ouais, j'allais dire c'est le daron à spaz, mais non, c'est bien. C'est bon, bref, mon gars, je suis pas là pour cueillir du blé ou cueillir des carottes. Ici, on n'est pas vegan, ici, on est des cannibales. Ouais, bah moi aussi, je suis un cannibale. Bah, tu sais quoi, mon gars, on a 30 minutes à partir de maintenant pour créer le pack le plus réaliste. Pour que, est-ce que tu vois ça là? Tu vois cette moche, cette immondice? Ouais, ouais. Et bah, on va le changer en truc réaliste. Quoi, je sais pas faire de pack, mec. Tu sais quoi, le perdant, il a un gage. Attends. Bon bah les mecs, vous savez quoi, je sais pas comment je vais faire une vidéo avec ce type là, mais bah déjà vous abonnez, vous mettez un like et on va faire le pack. Pourquoi tu me tournes le dos? T'as 18 ans. Bon bah les mecs, vous savez quoi, on va bien évidemment faire un pack réaliste. Et clairement les mecs, je suis clairement un expert, hein. Alors ça, je vous le dis, cet homme là, on va le défoncer. Son chapeau sale, je sais pas ce qu'il se dit actuellement, mais il doit être en train de m'aduler et de dire que je suis quelqu'un de cool. Qu'est-ce qu'il veut lui? Je te casse ta... Pardon, excusez-moi, j'ai des problèmes de colère là. Ok les gars, bon. Là, Lined, il m'a proposé de faire un pack. Sauf que, vous voulez que je vous dise quelque chose, je n'ai jamais fait de pack de toute ma vie. Lined, il a fait 36 bits de vidéo pack là. Je vais péter un cap. Bref, c'est pas grave, bah du coup les gars, on est parti. Comme tout bon pack de textures, on doit commencer par bien évidemment le bloc de la terre. Ce bloc là, magnifique. Voilà, boum, on va le modifier. Bien évidemment, on va pas se faire chier, hop là, texture terre. Et voilà, on va directement prendre une petite texture comme celle-ci. Je pense que celle-là, elle est quand même pas mal. Oula, il y a un genre de truc qui veut pas que je vole. On va prendre celle-là, là, c'est du terreau. Et on met l'image, et voilà, c'est vraiment très simple. Et vous savez ce qui est encore plus simple? C'est de dupliquer le calque, de faire un petit découpage comme en maternelle, et bien évidemment de changer la couleur en hauteur, pour bien évidemment faire de la terre. Bon, par contre, faut pas que ce soit radioactif, hein. J'ai pas envie de tuer des épileptiques. Oh, mais là, on dirait un vrai bloc. Le premier qui me dit que ma terre n'est pas incroyable, je le défonce. Donc, attendez, on va voir comment rend ma petite terre. J'espère qu'elle va être cool, hein. J'ai pas des années d'expérience dans les packs de textures pour avoir quelque chose de moche. Boum! Oh là là! Oh, sur ma vie que c'est beau! En plus, regardez-moi ça. La petite démarcation en noir, là. Bon, c'est pas comme ça que j'imaginais réellement, mais ça rend très joli. Mais vous savez quoi, actuellement, ce qui n'est pas beau, par contre, c'est ça, là. C'est cette immondice. Je vais mettre mauvaise herbe en PNG. Oh, bah, elle est pas mal. Vous savez quoi, je vais la mettre. Bon, du coup, le bloc de base, qu'on doit faire, c'est de la terre quoi. Un minimum s'il vous plaît. Bon du coup on est sur Photoshop. Vous savez quoi, je sais pas, on va mettre terre. Oh c'est parfait. Franchement j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Et bah voilà les gars. Maintenant il nous faut la petite herbe au dessus. Oh là 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 là. Mais les gars, je vous jure, c'est la pelouse du Parc des Princes là. Allez les gars, va-t-on avoir un changement de texture? Mais les gars c'est trop stylé, wesh. Bon j'ai pas fait le dessus, faudrait peut-être que je le fasse. Oh alors là les mecs, je suis totalement hypé là. Oh sublime. Oh qu'est-ce qu'elle est jolie. Oh là là, pas mal. Oh, je serais herbivore. Oh là là, le boulot. Bah, vous savez quoi, en parlant de boulot, vu qu'on est au chômage, bah, on va faire le bois. Bon, c'est pas du bois de boulot, donc je suis vraiment désolé. Mais c'est du bois. Et vous savez quoi, vous commencez à être habitué. Tous les bois vont être pareils. Donc, que ça soit ce bois-là, ce petit bois-là, et même ce bois-là. Ici, on s'embête pas, hein. Après, bon, on a 30 minutes. Mais de toute façon, vu ce que l'homme derrière moi a l'air de faire, ça a pas l'air très fameux, hein. Je suis Pablo Pic. Oh, ça, les gars, pour les bûches, c'est incroyable. Oh là là, les gars, mais c'est magnifique. Là, j'ai l'impression d'être vraiment un architecte. Bon, le problème, je vous jure, c'est vraiment. Les herbes au-dessus là, bon, j'arrive pas à les, je les trouve pas quoi. Allez hop, on a notre bloc de cobble. Faut qu'on fasse vite les gars, hein, parce que là on n'a pas trop de temps. Le bloc aussi qui est pas mal utilisé les gars, c'est l'espèce d'escalier. Oh, les planches ici sont tellement meilleures. Oh bah voilà. Oh mais il y a du foin, le foin aussi faut qu'on le fasse. Bois texture, hop là. Je veux du bois d'arbre, je veux pas du bois comme ça. Alors là c'est plutôt pas mal ce qu'on a. On va pas s'embêter pendant 45 ans, on fait simplement ça et voilà on a notre bois. Hein. Là par contre niveau du temps j'ai un temps incroyable. Là je suis Schumacher sur une piste de Formule 1. Et voilà, boum. Oh là là. Oh mais comment c'est beau. Oh je me croirais dans la vraie vie là. J'ai l'impression d'être un bûcheron et d'être au salon de l'agriculture là. C'est incroyable. Là ce que je vois c'est pas magnifique par contre ça. Les deux blocs que je vois ils me plaisent pas. Donc on va modifier cette vermine. Et quoi de mieux que de mettre de la pierre texture. On va prendre un petit muret comment. Un petit muret comme ça il est pas mal. En vrai ce petit muret là il me plaît bien. Il me fait de l'œil. Franchement j'aurai 55 ans et je pourrais être propriétaire. Ce mur là je l'achète. Pour ajouter le côté un peu verdure, un peu dégueulasse, on va mettre de la mauvaise herbe. Comme ça c'est un peu taché. Là franchement les mecs, vous fermez les yeux, vous vous téléportez ici. Et là vous êtes en mode waouh, sacrée maison hein. Et là vous vous tournez, vous dites ah on est dans Minecraft. On va modifier bien évidemment les petites fleurs. On va prendre cette petite fleur là, elle est plutôt jolie. Bon par contre là j'ai fait le feignant hein, mais j'avais pas trop le temps. Donc vous allez me pardonner, parce que regardez moi Ah bah nickel, bah c'est même pas modifié, bah nickel. Ah bah j'ai modifié les tulipes rouges et tout, bah ok bah nickel. Et après je vous avoue tout hein, je suis youtubeur hein. Je suis pas expert en botanique. Bon on va mettre des fleurs un peu partout hein, comme ça il les verra hein. En vrai c'est une bonne technique de faire ça hein. Hey Bane, mais les gars là c'est un cours d'anglais là. C'est plus ok les gars, alors là on a du foin, mais là c'est
C'est historique là ce qui se passe. Ah non, franchement, là les gars, là j'ai l'impression d'être à... Là c'est la ferme en folie. Il est en train de modifier ça. Je vais faire un truc. Je vais remplacer par quoi? De la bedrock. Comme ça, il va croire qu'il a bugué. Est-ce que ça va marcher? Bah vous savez quoi, vu qu'il modifie ça, bah moi aussi je vais le modifier. Voilà, une bonne botte de foin. En plus, c'est vraiment succulent les bottes de foin. Regardez-moi ça, on dirait carrément des spaghettis. Est-ce que vous êtes prêts à vous téléporter dans l'amour et dans le prêt? Oye oye, boum! Ça paraissait plus cool dans mes rêves, mais c'est déjà pas mal. Oh bah vous savez quoi, maintenant on va modifier ce petit bloc là là. Le bloc transparent. Ok, bon c'est parti les gars. F3T. Oh, eh franchement les gars, il n'y a pas d'autre mot pour dire qu'il est réaliste. Franchement, il est juste réaliste. Voilà, il est juste beau. Alors là, vraiment, c'est du fait maison. J'en ai rien à faire. Hop là, et c'est terminado. J'avais franchement bien raison. C'est pas beau. Mais bon, je pense que c'est déjà plus beau que cet homme-là. Regardez-moi ce gros dégueu. Bon, je pense que là maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est oh, j'ai pas modifié les tables de craft. Est-ce qu'il y en a de dispo? Et les fours aussi. Oh là la misère. Oh là la mince. Alors là, je pense qu'on aura pas le temps de tout faire. Hein. Va falloir qu'on fasse des sacrifices. Bah vous savez quoi, ça sera mon four. Et vous savez quoi, on va pas s'embêter. Hop là, table de craft réaliste. Et vous savez quoi, 3D ou pas, je vais prendre cette image là. Alors là, je suis un escroc. Alors là, je suis un vrai escroc. Ça va être horrible, mais c'est pas grave. Et on la met comme ça. Voilà, boum, c'est ma table de craft réaliste. De toute façon, bon, c'est pareil. Parce que bon, dans la vraie vie, on a pas besoin d'une table de craft. Hein, ça, je vous le dis. Et bah voilà, on a fait le four et la table de craft. Bon, je vous l'accorde, c'est complètement moche. C'est hideux. Mais vous savez quoi, vu qu'il reste 10 minutes, là, il va falloir qu'on accélère. Il va falloir qu'on arrive à faire le golem, qu'on arrive à faire les villageois. Et bien évidemment, tous les items. Et bon, en 10 minutes, c'est bon, j'ai pas beaucoup de temps quoi. Donc, vous savez quoi, je vais me mettre un coup de pied au cul et c'est parti. Une petite fessée là. Vous savez quoi, les gars, ce petit chaton, on va en mettre plein et on va aller les custom tout de suite. Oh, bah bon, c'est bon réaliste. Ouais, bon réaliste à moitié quoi. Là, on va s'occuper à plus important, on va s'occuper à la laine. Bah, les gars, là on a fait la laine. Franchement, on a fait la laine. Franchement, c'est stylé. Il faut pas que j'oublie mon passé de dessinateur. Moi, j'ai des grands talents en dessin, on va bien évidemment les utiliser. Alors là, si je gagne pas avec mes talents, je ne comprends plus rien. Voilà, boum, comme ça. La petite épée en diamond. Et vous savez quoi, vu qu'on n'a pas le temps, on va faire du recyclage. Regardez-moi ça, les mecs, est-ce que vous êtes prêts? Boum. Et là, vous allez dire, mais what the fuck? Regardez-moi cette hache du seigneur. Alors nous, aujourd'hui, on est un écolo, hein. On réutilise tout pour faire de l'écologie. Et voilà, on a une pioche. Bon, en vrai de vrai, même si mes items sont vraiment affreux, parce que oui, hein, ils sont affreux, en plus, ils ressemblent à des choses assez bizarres, bah vous savez quoi, on va modifier les mobs. Parce que malheureusement, il me reste même pas 5 minutes, donc malheureusement, bon, si on modifie pas les mobs, on n'y arrivera pas. Dégage, là. Ça, c'est le respect, ça. Et si vous abonnez pas, je vous sais que... Oh, bah, c'est bon. Bah, abonnez-vous, s'il vous plaît, et là, mettez un like, s'il vous plaît. Maintenant, les gars, on va attaquer les portes. Et oui, les gars, on va attaquer les portes. Bon, ça risque d'être... Ma foi, c'est compliqué. Oh, les gars, cette porte, elle est incroyable. Oh là là! Mais c'est incroyable, mais t'ouvres la porte, t'as l'impression d'être... Ah, mais c'est incroyable, les gars. Regardez-moi ça, les mecs. On va lui mettre plein de visages. Regardez-moi ça, il observe tout le monde. Maintenant, hop, les villageois, on perd pas de temps non plus. Hop là, tu me donnes ton petit visage et on le met partout. Boum! Oh oui! Oh oui, il fait peur! Et maintenant, ils sont où les villageois là? Où vous cachez-vous? Ils sont partis pioncer ou quoi? Hop. C'est l'heure du foutour, il faut manger, les mecs. Ah oui, il fait peur, hein. Bon, bah, vous savez quoi, j'ai terminé mon pack, hein. Moi, je suis dans les temps, hein, alors que cet homme-là n'a pas l'air d'être réellement dans les temps. Bah, vous savez quoi, dans les commentaires, vous marquez Shawen réaliste. Pose pas de questions, t'auras pas de réponse. Hop, arrête de tricher, Shawen, tu fais quoi là? Comment ça va tricher? Mais de quoi tu parles? T'es encore en train de faire le pack. Lâche ton pinceau. Bon, mon gars. Je me raconte. Pose pas de questions, maintenant, on va faire la bagarre. Hein. Le premier qui a 3 kills. Par contre, si t'as fait un pack dégueulasse, bon, tu vas me payer. Hein. Bon, bah, franchement, mon pack, bon, il est pas très réaliste, mais il est beau. Ça veut dire quoi ça? T'empêchera pas de jouer, quoi. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est un intermittent du spectacle. Pourquoi tu le frappes? Oui, bon, c'est vrai. C'est comme bon. Jeff Panaclock. Oh, tu Jeff Panaclock. Bon, je vais mettre le pack, bon. Bah, moi aussi, je veux. Ok, bon. Il ressemble à quoi son pack? Oh là là. Le désastre. Oh le foin. Ça se voit que c'est un agriculteur, hein. Ça se voit qu'il vit dans les foins en Normandie, hein. Ah oui. Oh là, mais c'est une maison de design. Oh là, mais quelle beauté son pack. Bon, par contre, je pense clairement que j'ai gagné, hein. Je sais pas ce qu'il est en train de se dire actuellement, mais je pense que je l'ai défoncé. Non, mais là, je suis désolé, c'est de la triche. Là, vraiment, c'est de la triche. Comment ça, les fleurs, elles sont aussi belles? Wesh, regardez-moi ces fleurs. Bon, le golem, bon, disaster class, mais oh, c'est pas, j'ai fait une porte au moins. Bon, il y a quelques petits défauts, mais ça se voit que le mec sait faire des packs, quoi. Mais regardez-moi ça, comment c'est joli. Oh, du coup, les gars, on va aller se faire nos petits items, là, vite fait, par-ci, par-là. Oh, les blocs de terre, on dirait un pack de 2012. Oh, la terre, elle est même pas modifiée. Oh, mon dieu. Non, mais là, il m'a pissé dessus, hein. Est-ce que la table de craft est mobile? Même pas, non, mais vraiment. En 30 minutes, il m'a pissé dessus. Je me suis fait uriner dessus. Je suis pas un urinoir, hein. Vous savez quoi, ça va pas m'empêcher de le défoncer. J'espère que au moins la hache, elle est maudite. Bah non, elle est même pas modifiée. Non, mais il se fout de ma gueule. Non, mais alors là. Bon, par contre, la
pierre, elle est quand même plutôt pas mal. Vous savez quoi? Je me donne à aller le punir. Vu la catastrophe qui m'a pendu, je dois le punir. Oh, les portes! Mais elle est incroyable, la porte. Il y a carrément un cadenas. On va le prendre dans le dos comme un... comme un bon PvP player. Bah non, mais tu crois quoi? Ave César, c'est ton baptême! Non, c'est bon, 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 c'est bon. Attends, non. Non, mais là, mais meurs un jour, non? Mais les gars, mais le jeu, il a même pas commencé, en fait. Je découvre son pack, je le commente, et le mec me tue, en fait. C'est de la triche, c'est purement de la triche. Bah, la vie de ma mère, je cours. La vie de ma mère, je cours. Mais solide, hein? Oh là là! Voilà, voilà, moi je vous le dis les gars, il m'énerve. Bon les gars, revenons-en à nos moutons là, parce que l'autre là, il nous a tués inutilement. C'est quoi cette pioche les gars? C'est une pioche... c'est un prank sa pioche ou c'est quoi? Peut-être que j'ai pas fait de pioche, mais quand même. Enfin, genre il a fait une pioche, elle est frauduleuse. Autant ne pas en faire hein, pour faire des pioches comme ça, je suis désolé. Quel homme, quelle résistance. On va bien évidemment prendre de la pierre. Oh mais attends, non mais j'ai beaucoup mieux à faire, évidemment que j'ai beaucoup mieux à faire. Qu'est-ce que je prends de la pierre? Qu'est-ce que je m'embête? Car on peut carrément aller prendre du fer. Oh non, oh non. On va arriver. Et voilà. J'en ai rien à faire moi. J'en ai rien à faire. Fils de pute. Fils de chien. Oh le chien de la casse. J'ai perdu tout ce temps là pour ça. Non. Essayez de me cacher. Bon. Voilà. Bon par contre les gars, je commence à avoir un petit peu faim là pour le coup. Voilà. Et là les gars, niveau bouffe on est bien. Que demande le peuple, j'ai envie de vous dire. Je vais l'accuser de racisme. Je sais pas pourquoi mais je vais aller lui casser la bouche. Parce que là ça fait un partout. Je l'apprécie pas. Je le préviens carrément que j'arrive. Tellement je suis quelqu'un de cool. Bon bien évidemment on va y aller de façon safe. Il m'a vu là. Mais arrête! Sale tricheur de merde! Mais il fait quoi? Mais il est malade. Mais il est malade ce mec! Mais il est malade ce mec! Mais mec! Mais tu te prends pour qui en fait? Il faut que je le brûle avec le trou là! Arrête, je suis mort! Je suis mort! Je préfère mourir d'un golem! Viens me tuer! Voilà, je suis pas mort de toi! Voilà mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah. Oh, c'est quoi ce... Oula, ça a une forme très... très artistique. Bon, vous savez quoi? Là, je vais tenter le tout pour le tout. J'en ai rien à faire. Je vais me faire marbrer, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je rigolais! Je rigolais, mon pote, je rigolais! Et voilà! Ok! Dernier tour! Dernier tour! Voilà, c'est les présidentielles! Mais voilà de quoi? Dernier tour! Ok, ok, mon gars, ok, 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 les gars. Alors là, cette fois... Faut pas qu'on perde de temps les gars parce que là il a plus de vie du tout. Il faut qu'on le trouve là. C'est quoi les gars? Oh bah il est là, il est là, il est là, let's go. Bon bah là en tout cas celui qui va tuer l'autre à la fin, bah il a gagné. J'espère que je vais pas me faire tuer comme un lâche. Ah, j'étais sûr. Let's go. Bon bah vous savez quoi les mecs, vous mettez en commentaire le mot réaliste, sinon bien évidemment je vous marbre. Bien évidemment vous abonnez à ma chaîne, parce que j'ai pas envie de rester derrière Aspaz. Ouais c'est vrai qu'avoir Aspaz derrière toi, ça présage souvent des mauvaises choses quoi. Allez ciao les mecs.